amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette de pancakes maison. Les pancakes sont assez populaires maintenant dans le monde entier. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter une recette de pancakes sain, équilibré et gourmande, idéal pour le petit déjeuner ou le goûter. Je voulais aussi vous annoncer que cette vidéo est en collaboration avec Sacré des Beaux. C'est un blog personnel qui encourage les jeunes artistes haïtiens et qui permet de faire connaître leur talent dans le monde entier grâce à sa page Facebook. Alors les amis, vous avez du talent? Vous voulez faire connaître vos œuvres dans le monde entier? Je vous invite donc à vous abonner à la page Facebook de Sacré des Beaux, de liker, de commenter et de partager les publications sur la page. Comme ça, vous deviendrez une membre à part entière de la famille de Sacré des Beaux. Je vous invite aussi à encourager vos amis et votre famille de s'abonner à la page pour qu'ils puissent suivre votre parcours artistique sur Sacré des Beaux. Sur ce, passons à la recette. Pour faire cette recette, vous aurez besoin d'un mixeur manuel. Ici, j'ai acheté ce mixeur à Delimart. C'est très pratique, je vous le recommande. Je crois qu'il y en a encore. Ici, on peut faire des pancakes, des waffles et des crêpes. Maintenant, de 500 ml de lait d'avoine. Vous pouvez utiliser n'importe quel lait et du lait d'animal ou du lait végétal, lait de soja, lait d'amande, lait de riz, n'importe quel lait. Ensuite, de vanille liquide, de l'huile de tournesol, de miel, de muscade, de cannelle, de levure chimique, de cuillère à mesure, de 350 g de farine d'avoine. Vous pouvez utiliser encore n'importe quelle farine, de la farine de blé complète, semi-complète, de la farine de riz, de la farine blanche aussi. Mais vous savez ce que dépose déjà concernant la farine d'œuf. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous le mets dans le petit i en haut à droite de la vidéo. Et aussi, vous aurez besoin de 2 œufs et d'une cuillère à soupe. Pour commencer, je vais mettre mon lait d'avoine dans le mixeur. Si vous n'avez pas encore vu la recette de lait d'avoine, je vous le mets dans le petit i en haut à droite de la vidéo. Vous pouvez aller le voir. C'est un lait d'avoine fait maison. Je vais commencer par mélanger les ingrédients liquides. Donc, je verse le lait. Je vais mettre 2 cuillères à soupe de miel. Ensuite, 2 cuillères à soupe d'huile. Pour ma part, c'est l'huile de tournesol. Si vous avez, vous pouvez remplacer l'huile par du beurre fondu. Vous pouvez mettre aussi du beurre fondu. Ensuite, je vais mettre 2 cuillères à soupe de vanille liquide. Je vais rajouter les 2 œufs. Voilà. Maintenant, je vais mélanger tout ça. Et voilà. Maintenant, on va passer aux ingrédients secs. Ensuite, je vais faire le mélange des ingrédients secs. Je vais verser la farine d'avoine, la cannelle, une petite pincée de muscade. C'est juste pour relever le goût des pancakes. Ensuite, on va mettre 1 cuillère à soupe. Vous voyez, un tablespoon, 1 cuillère à soupe de levure chimique. Et voilà, on va juste mélanger le tout.
et on va incorporer ça dans notre mélange liquide. On va incorporer ça petit à petit. À l'aide du mixeur. Voilà, on tourne. Et voilà. Une fois que notre pâte a bien mélangé, on va la laisser reposer 15 minutes avant de faire cuire nos pancakes. À tout à l'heure. Je commence par mettre un tout petit peu de beurre dans ma poêle. Ensuite, je verse la pâte en toute petite quantité pour former les pancakes. Voilà. Des bulles commencent à apparaître sur le dessus, comme ceci. Vous voyez le petit trou? On va la retourner. Et voilà. Et on va la laisser cuire de l'autre côté. Et on fera ainsi jusqu'à épuisement de la pâte. On enchaîne ensuite avec une deuxième pancake. Comme je l'ai dit tantôt, on fera le même procédé jusqu'à épuisement de la pâte. Et voilà les amis, j'ai obtenu environ 7 pancakes avec la recette. Voilà, nos pancakes sont très jolis et ça sent très bon. On se verra tout à l'heure pour la garniture. Me revoilà les amis pour la garniture des pancakes. Moi je vais me servir d'une banane, de miel, de graines de chia, voilà, de graines de chia et d'amandes. Vous pouvez mettre ce que vous voulez sur vos pancakes, vous pouvez les garnir comme vous voulez. Vous pouvez mettre des fraises, des framboises, des myrtilles, des noix de cajou, des cacahuètes, de la pâte à tartiner. Je commence par peler ma banane et je vais la découper en rondelles. Je dispose mes rondelles de banane sur les pancakes. Ensuite, je vais concasser une poignée d'amandes. Je vais rajouter le miel.
vous pouvez mettre du sirop d'érable ou du sirop d'agave. Et je mets mes amandes concassées. Et j'ajoute en dernier lieu mes graines de chia. Voilà les amis. Voilà. Je vous assure que cette recette, elle est très bonne, mais trop bonne. Je vous le conseille et j'espère que vous allez la tester et vous m'en direz des nouvelles en commentaire. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Likez, partagez, commentez la vidéo. Je vous invite à me suivre sur Instagram et sur Facebook. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la page Facebook de Sacré Débo. Les liens sont disponibles en barre d'infos. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos recettes. Bye bye!